Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette. Et alors, c'est une recette un peu particulière dans le sens où je vais utiliser des restes de la veille. Donc, j'avais fait un poulet, il me restait du poulet. Donc, du coup, j'ai réutilisé le poulet pour faire des fajitas. Alors, vous allez voir, la recette est hyper simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poulet et le décortiquer tout simplement. Donc, retirer tout le reste de viande qu'il y a dans le poulet. Une fois que le poulet est décortiqué, je vais venir m'occuper de mes légumes. Je prends un oignon, je vais découper en tout petits cubes. Ensuite, une carotte, pareil, que je vais couper et un poivron. Je vais faire cuire mes légumes et une fois qu'ils seront cuits, je vais incorporer mon poulet finalement qui ne nécessite pas d'être cuit puisqu'il est déjà cuit, ce sont des restes. Et ainsi, j'aurai une farce pour remplir mes fajitas. Je vais placer mes légumes dans un wok, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive et des épices, du sel, du poivre, du cumin pour ma part et je vais couvrir tout simplement et en attendant la cuisson des légumes, je vais faire une salade mais vraiment une salade très très rapide. C'est vrai que les fajitas seront accompagnés de la harira, donc de la harira que j'ai fait la veille, donc moi je la mets au frigo et je la garde 2 à 3 jours. Je vais donc faire une petite salade tout simplement avec une tomate, un concombre et des olives. Je coupe le tout en dés, je place dans une assiette et je vais mettre la sauce vraiment au dernier moment, au moment de servir. Donc je mets tout dans l'assiette et je place l'assiette au frigo et je vais retirer celle-ci tout simplement au moment du four. Une fois mes légumes quasiment cuits, je vais rajouter une tomate et je rajoute aussi un peu de sauce tomate, voilà, de la sauce tomate déjà prête pour avoir vraiment une farce un peu liquide, on va dire, pas liquide mais saucée. Et je viens tout simplement ajouter mon blanc de poulet. Ma farce est prête, une fois qu'elle est refroidie, je vais tout simplement venir remplir mes fajitas. Donc là, ce sont des fajitas que j'ai achetées ici de forme carrée, j'avais pas trouvé des formes rondes. Et je vais tout simplement venir donc mettre la sauce, c'est vraiment facultatif, mais moi j'aime bien mettre la sauce, une sauce au choix, ça peut être de la mayonnaise, ça peut être une sauce barbecue, ça peut être de la moutarde. Donc je viens tout simplement placer le tout, je mets un peu de fromage, voilà, parce qu'une fois que ça chauffe dans la poêle, j'aime bien cet effet un peu fondant comme ça. Et je viens tout simplement rouler mes fajitas. Une fois que les fajitas sont prêtes, je viens tout simplement les mettre sur la poêle et alors, ce que j'aime bien faire, c'est les faire cuire juste quelques minutes avant de manger. Je fais chauffer ma soupe, donc moi la soupe, quand il en reste, je ne la mets pas à la poubelle, je mets ça au frigo, je la consomme 2-3 jours ou sinon je peux congeler aussi. Donc là, c'est la soupe de la veille et le poulet de la veille donc, que j'ai intégré dans mes fajitas. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre des rondelles de citron et arroser un peu les fajitas, mais ça c'est vraiment facultatif. Et voilà, un ftour les filles avec des restes, un ftour très simple finalement, rapide et assez complet. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.